Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans ce sujet qui m'a été demandé de nombreuses fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de Monique Villemain et de son mari Albert. Donc, je commence par Monique puisque nous allons étudier ce personnage que je vous présenterai rapidement dans un audio qui sera joint à la vidéo. Donc, j'ai fait une coupe et donc nous avons la carte du chagrin qui ressort pour elle avec la coupe. C'est pas tellement étonnant, j'ai envie de vous dire, vu les circonstances de cette histoire, malheureusement, le chagrin est de mise. Donc ici, on apprend que c'est une personne qui, semble-t-il, avait des problèmes nerveux. Donc là, on nous dit que c'est quelqu'un qui avait besoin de soigner une dépression, quelque chose qui n'allait pas chez elle. Il y a quelque chose qui n'allait pas, elle avait besoin de se confier. Alors... Nous avons la carte de l'idéal qui apparaît immédiatement. Le soleil, la première carte du jeu, le chaos. Ici, on nous dit que c'est une personne qui avait des qualités morales, contrairement à ce que le corbeau a essayé de dire sur elle pendant tous ses nombreux appels et pendant les nombreux messages qu'il a pu essayer de transmettre par ses courriers. Une femme méchante. Et l'entourage. Donc ici, je procède un peu différemment à ma façon habituelle de tirer les cartes parce que je fais comme je le sens. Donc nous avons la femme méchante qui ressort ici. Ça peut nous donner une indication sur Monique, mais ça peut nous parler aussi d'une femme dans son entourage. Ici, on nous dit que c'est une femme en fait qui la poursuivait de sa haine. Donc pour moi, on ne parle pas de Monique elle-même, hein. On nous parle vraiment de ce qui l'entourait à ce moment-là parce que nous avons cette carte qui suit. Et cette femme méchante qui est représentée dans son entourage, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, nous pouvons d'ores et déjà penser à une femme qui, ici, est une femme qui avait beaucoup de jalousie. Une personne qui l'entourait vraiment fréquemment, c'est quelqu'un qu'elle voyait vraiment très souvent. Et du coup, qui lui donnait des conseils et qui étaient tous de mauvais conseils. On continue avec la carte de l'héritage. La carte du succès. La prudence. Alors ici, donc, on a deux fois des cartes qui représentent la coupe. Hein. Une carte de coupe. Donc on est d'abord sur une carte liée à l'héritage pour la partie de Monique, toujours, hein, on reste bien dans cette optique. Monique ici nous dit que c'est, on nous dit sur Monique, pardon, que c'est quelqu'un qui avait à cœur de protéger son patrimoine. Avec cette carte, on nous dit que c'était certainement quelque chose en lien avec un héritage dont elle avait bénéficié et non pas un héritage qu'elle a laissé autour d'elle. Là, on nous parle bien de quelque chose dont elle a bénéficié. On est toujours entouré, alors là, pour le coup, de succès dans cet héritage. Et on nous dit qu'il y a eu une certaine prospérité financière qui a pu être acquise avec ceci. Malgré tout, on nous parle de prudence. Pourquoi? Eh bien, avec cette carte, on nous dit qu'il ne fallait faire confiance à personne. Et elle s'est méfiée, en fait, de ceux qui lui proposaient de placer son argent. Elle n'a pas dit, je présume. Cette somme d'argent n'a pas été, à mon avis, dit à tout le monde. Il se peut qu'elle ait caché quelque chose par rapport à de l'argent, Monique. Ah oui, vous voyez, on nous parle de gains, de changement et d'espérance. Donc là, on est plutôt sur l'épée. Donc, pour moi, je vous dis exactement ce que je pense avec ces cartes. Et puis après, je vous ferai mon analyse. Donc ici, avec la carte des gains, on nous dit
que l'autorité de Monique était importante. C'est quelqu'un qui savait se faire entendre, qui savait s'imposer au milieu des contrariétés. C'était une chef de famille. Malgré tout, autour d'elle, cette autorité, elle lui a causé du chagrin. Elle n'a pas toujours choisi d'être autoritaire. Elle a dû se présenter comme quelqu'un qui l'était. Donc, on nous parle vraiment de quelqu'un qui a dû lutter pour obtenir sa vie, pour essayer d'avoir un cadre de vie relativement calme. On nous montre ici quand même une personne qui a vraiment été dans le chagrin pendant très longtemps, mais qui a réussi à s'en sortir par la force, non pas par la douceur ou par la mièvrerie, mais c'est vraiment quelqu'un qui a su se montrer forte. Après, nous avons le changement qui est représenté par un chevalier. Et ici, on nous parle de séparation, souvent on nous parle de personnes qui s'éloignent de soi. Donc ici, j'imagine bien qu'il y a eu des séparations autour de Monique qui ont été en lien avec cette autorité qu'elle dégageait. Donc des personnes lui ont clairement tourné le dos et ne sont plus jamais revenues vers elle de ce fait-là. Elle s'est montrée à leurs yeux trop insensible. La carte de l'espérance, eh bien ici, on nous parle plutôt d'une personne qui est quand même ballottée entre une volonté d'agir, une volonté d'écouter les conseils des autres, de prendre le temps. C'est quelqu'un qui pouvait être amené à vivre en fait sur ses acquis. Le retard, le soupçon et les économies, enfin l'économie. Bâton et épée. Nous avons donc le retard qui correspond au 9 de bâton. Ici, on dit que, concernant Monique, ben, on n'a pas obtenu satisfaction en fait encore, hein. Cette carte, en fait, nous indique qu'il y a eu des choses qui ont été cachées autour d'elle, des choses qu'elle a réussi à mettre en secret. On nous dit malgré tout que dans quelques temps, des choses vont être découvertes. Alors peut-être qu'on nous parle ici des soupçons qui sont en cours. Éventuellement, peut-être a-t-elle caché des documents, des choses de ce genre. En tout cas, on me parle de soupçons. Pourquoi? Eh bien, cette carte de soupçon, représentée par le 9 d'épée de nouveau, hein, on est toujours sur l'épée, nous dit qu'il y a eu des raisons, en fait, pour elle de se défiler. Elle avait raison, elle avait des craintes qui étaient vraiment fondées autour d'elle. Elle ne pouvait pas parler. Donc, je ne dis pas du tout que Monique est responsable, mais je dis qu'elle savait beaucoup plus de choses que ce qu'elle n'a bien pu dire de son vivant. Et la carte de l'économie qui arrive renversée ici nous dit que la situation s'était aggravée financièrement et que bien souvent, en fait, cette carte représente quelqu'un qui se retrouve seul avec ses petites économies, en fait. On nous dit que c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de personnes autour d'elle, pas forcément à cause de l'argent ou pour gagner de l'argent, mais qu'au final, eh bien, cette personne, en fait, qui peut-être se montrait radine en sentiment plutôt qu'en termes de finances, s'est retrouvée assez isolée. Et d'ailleurs, pour elle, ça a dû être un peu un combat, en fait, hein. On me parle ici vraiment d'une personne qui a dû toute sa vie lutter, en fait, hein, contre ses envies profondes. On me dit que c'est quelqu'un qui a dû faire preuve d'abnégation ici. Quelqu'un qui n'a pas eu vraiment le choix de la vie qu'elle a vécue. On parle de violence derrière, de probité et de critique. Donc derrière tout ça, et après que nous ayons notion qu'elle a subi sa vie puisqu'elle ne l'a choisie, on nous parle de violence. Alors je sais qu'Albert pouvait être violent physiquement envers elle, visiblement. En tout cas, verbalement, certainement. Et ici, nous avons vraiment le cas de la force majeure qui est représentée. Et cette carte n'est vraiment pas bonne, hein. Ici, on nous parle de quelqu'un qui, visiblement, avait quand même potentiellement un autre homme dans sa vie. On nous dit que c'est quelqu'un qui a été utilisé par les hommes, globalement. Une femme qui n'a pas su vraiment ce qu'elle représentait et qui s'est jugée avec une certaine violence. Elle avait contre elle-même un avis très défavorable et on nous parle vraiment d'une prédisposition ici à la violence, comme si c'était quelque chose de noté
dans ses gènes, en fait, hein. Il y a certainement de l'ordre de la transmission généalogique ici, hein. Moi qui ai fait de la psychogénéalogie, je vous assure que l'impact est très très important. Et là, vraiment, on parle de quelqu'un qui pense ne pas valoir mieux que ça. Quelqu'un qui, ouais, qui se retrouve toujours dans une situation où, bah, malgré les efforts qu'elle fournit, elle est victime d'impulsions. Et même elle, parfois, de pulsions qu'elle n'arrive pas du coup à réprimer, puisqu'elles sont là depuis très longtemps. Avec la carte qui suit, la carte de la probité, c'est un petit peu étonnant d'arriver sur cette carte juste après la carte de la violence, puisqu'ici c'est le pape. Et en même temps, on nous dit qu'il y a un homme autour d'elle qui est quelqu'un qui lui doit quelque chose. Et d'ailleurs, il va lui permettre à Monique de se transcender. On dit qu'autour d'elle, il y avait un homme assez éminent, qui était parfois sans vergogne, par contre, hein, qui pouvait se montrer plutôt méchant même. Et cette personne, en fait, lui a permis bah, de réaliser quelque chose dans sa vie, en fait. C'est quelqu'un avec qui elle avait des relations, je pense, donnant-donnant. C'est-à-dire peut-être qu'elle lui a dépanné de l'argent, dépanné un terrain, dépanné quelque chose. En tout cas, autour d'elle, il a su lui rendre au centuple, comme on dit, quelque chose qu'elle lui aurait favorisé dans sa jeunesse. Alors, je ne vois pas du tout de qui on peut parler ici. N'hésitez pas à me dire si vous comprenez. Les critiques ici. Eh bien, les critiques, toujours sur cette épée, le 8 ici, nous disent qu'il a été très difficile pour Monique de passer outre, en fait, les ragots qui étaient racontés sur elle. On nous dit qu'elle s'est sentie vraiment très seule et que les critiques ont eu vraiment des incidences regrettables pour elle. Qu'elle s'est sentie trahie et qu'elle s'est sentie plus d'une fois humiliée dans cette famille. Qu'elle ne se sentait plus vraiment à sa place. Voilà ce qu'on me dit avec chacune des cartes indépendamment les unes des autres. Malgré tout, ce que je considère ici est quand même qu'on peut nous parler d'une génération avant celle de Monique, puisqu'on nous parle d'entourage, mais on nous parle d'héritage, on nous parle de personnes qui, eh bien, qui autour d'elle semblent dépendre d'une relation, pardon, d'une génération plus ancienne. Et qui ont influencé sans conteste la réaction de Monique tout au long de sa vie. Il semblerait également ici que plusieurs soupçons aient porté sur cette femme le long de son existence et que cette femme ait vécu tout ça comme une immense violence. Elle ne l'a peut-être pas montré, peut-être pas verbalisé, mais c'est quelqu'un qui a été meurtri. Et ici, on insiste vraiment sur cette notion de violence envers elle-même, avec une image très détériorée d'elle-même. Donc moi je suis assez étonnée puisque c'est vrai que c'est quelqu'un qui se montrait très souvent difficilement émotionnel ou en tout cas qui paraissait froide lors de ses interventions. Mais c'est quelqu'un que je ne juge absolument pas, comme aucune personne d'ailleurs, dans la mesure où c'est une grand-mère qui perdait également son petit-fils ici et qui a d'ailleurs perdu tout le reste de la famille puisque le père de Grégory et sa mère ont déménagé et si je ne m'abuse... Et je laisse les érudits pouvoir me corriger si c'est le cas. Je crois que avant son décès, Monique n'a jamais revu Jean-Marie ni son épouse, en tout cas pas depuis très 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 longtemps. Donc il y a vraiment eu des conséquences dramatiques pour cette famille qui ont duré vraiment des années. Et ils ont perdu toute cohésion familiale à partir de ce moment, en tout cas pour nous. De ce que nous en savons, à partir du moment du corbeautage, puis du drame qui a survenu sur Grégory. Je vous propose de regarder avec un autre jeu de cartes ce que Monique peut bien vouloir essayer de nous exprimer. Pour cela, je vais utiliser des cartes sans mots. Je vais juste laisser les cartes nous dire ce qu'elles ont à nous dire avec le résilient. Alors, on va voir tout de suite les cartes qui se sont échappées. On me montre une fleur, une tulipe ici. Une tulipe avec un fond bleu, une couleur plutôt rouge. On peut nous parler d'une femme qui avait certainement un côté assez passionnel. Et on nous montre une femme plutôt solitaire ici, quelqu'un qui savait tout à fait se débrouiller. Au niveau, vous voyez, hein, on est dans un climat plutôt montagneux sur cette photo, avec un chameau, semble-t-il, hein, il y a des bosses, ou un dromadaire, je ne sais jamais. Et on nous montre quelqu'un qui est seul dans ce paysage, quelqu'un qui semble s'en sortir seul et qui avance. D'ailleurs, Monique, c'est vrai que c'est une femme qui était très forte, hein. Il ne faut pas mépriser cette
puissance parce qu'elle a pris sur elle toute sa vie. C'est marrant, on nous montre quelqu'un qui est au téléphone et qui se cache ici. Alors, est-ce que Monique pouvait être victime de corbeautage? Ça, c'est sûr. Est-ce qu'elle aurait pu elle-même être un des corbeaux? Franchement, je ne pense pas. En fonction de tous les reportages de la chaîne de Louisette que j'ai pu écouter, ça me semble peu crédible. Je pense qu'elle a été surtout humiliée toute sa vie. J'ai la carte de quelqu'un qui s'est perdu. Pour moi, vraiment, c'est tout à fait réaliste. Et ici, on nous parle vraiment de sa relation avec tout le reste de la famille. Cette femme, en fait, suite au corbeautage, a complètement perdu tout son chemin, sa destinée. C'est quelqu'un qui avait plutôt une vie, je pense, tranquille, même si elle avait vécu des choses certainement très difficiles dans sa jeunesse. Il semblerait que elle avait choisi d'opter pour la simplicité. Et malheureusement, eh bien, elle s'est perdue au milieu de tout ça. Je suis désolée pour la carte que je vais vous montrer tout de suite, qui est pourtant sortie d'elle-même. Ici, on me montre une étendue d'eau. Et je ne peux m'empêcher de penser à Grégory ici, hein, bien sûr. Je suis étonnée que toutes ces cartes ressortent. Ici, bah, écoutez, il semblerait qu'on nous parle du procès, de l'ensemble des documents hein, qui est concerné. Au bon sang. Un enfant apeuré. Ah bah mince. Alors on sait que Grégory a été certainement maintenu en vie plusieurs heures avant d'être jeté dans la Vologne et qu'il était décédé, semble-t-il, avant d'être jeté à l'eau puisqu'aucune eau a été retrouvée dans ses poumons. Semble-t-il toujours puisque les autopsies n'ont pas été réalisées, en tout cas n'ont pas été, je crois, conservées. Enfin, toujours est-il que normalement il n'y avait pas d'eau dans ses poumons. Et donc, il a été gardé quelque temps. Et là, on nous montre une femme qui veut que, comme si elle ne voulait pas qu'on approche avec une caméra. Je suis dubitative, vraiment très dubitative face à ces cartes qui ne représentent absolument pas ce que j'aurais pu imaginer. Je vais me reconcentrer effectivement sur Monique Jacob et demander si Monique Jacob a quelque chose à voir avec le décès de Grégory. Bon, alors ici on me montre des personnes masquées hein, qui sont dans une salle, qui semblent être des personnes. Bah là on voit un monsieur qui semble être un peu en costard. Je suis désolée, hein, vraiment, alors là on montre vraiment une association de personnes masquées quand je demande si Monique a quelque chose à voir avec le décès de Grégory. Oh. On me montre quelqu'un qui a des idées plein la tête. On récolte les fruits. Alors ça peut être dans plusieurs sens, hein. On peut parler de fruits de son travail, on peut parler d'une certaine hérédité, enfin, on peut nous montrer ici symboliquement à travers les fruits, ça peut être les fruits de l'amour d'Albert et de sa femme. Il n'en resterait qu'un ici. C'est lourd, hein, parce que effectivement, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose dessus. J'ai un escalier, vous voyez, comme si quelque chose avait vraiment été enfoui. On est sur un fond très rouge, sur des couleurs qui ne sont pas rassurantes. Moi, j'ai vraiment l'impression comme s'il y avait une organisation ici de personnes avec pour. On va dire cerveau, en tout cas, des idées qui seraient venues effectivement de la part de Monique. Punaise, ah oui. Vous voyez, la personne qui ressort parmi la foule. Voyez, ici, on a un groupe. Et je l'ai déjà tiré dans d'autres jeux, cette carte. Il y a une personne dont on n'a qu'un seul pied. Cette personne est bancale, cette personne n'est pas fiable. Cette personne, c'est quelqu'un qui ment, qui est là et pas là à la fois, quoi. Bien écoutez, je vais essayer avec un autre jeu de savoir au niveau de Monique s'il y avait plusieurs enfants qui n'étaient pas forcément issu de son union avec Albert, puisque le corbeau
nous fait part à plusieurs reprises de, je ne répéterai pas son expression que je trouve totalement immonde, mais d'enfant illégitime. Et il dit qu'il y en a plusieurs selon lui. Alors je vais prendre le tarot de la lumière afin d'essayer d'y voir plus clair par rapport à cette vie familiale de Monique et de voir si effectivement il y avait oui ou non un autre enfant illégitime. Alors le corbeau pour moi ici a créé une angoisse dans la tête, surtout des enfants, parce que je sens que Jean-Marie, dans certaines cassettes où il parle avec le corbeau, a l'air de vouloir avoir quelques renseignements et savoir qui est le père de Jackie. Il lui pose des questions, donc on voit bien qu'à ce moment-là, en tout cas, personne ne sait réellement qui est le père de Jackie. Et d'ailleurs, les soupçons du père de Grégory semblent se porter sur le certain Thiébaut qui est déjà évoqué par le corbeau. Il lui demande, mais le corbeau n'a pas envie de lui répondre et on sait que dans un appel, il va dire qu'il n'y a pas plus de Thiébaut que de au cul. Donc du coup, on comprend vite que ce corbeau explique que Monique a menti sur l'origine paternelle de Jackie. En tout cas, c'est ce qu'il a envie de véhiculer comme message à travers ses appels, puisqu'il dit qu'il n'y a pas plus de Thiébaut que... Voilà, donc pour lui, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est l'explication que Monique a laissé planer concernant la paternité, enfin, le père de Jackie. Alors, le 7 de coupe avec le pape renversé, le 6 d'épée... Et la roue de la fortune. Alors, tout de suite, là, nous sommes sur un jeu donc, où je pose clairement la question, savoir s'il y a d'autres enfants illégitimes dans la vie de Monique Villemain. Et on dit, avec le 7 de coupe, qui apparaît immédiatement, une nouvelle très intéressante, puisqu'on me parle ici, effectivement, de quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion. On dit qu'il y a eu une fuite de la réalité et que Monique a dû faire des choix. On me parle de rêve et on me dit qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Alors on peut se dire ici que le corbeau ment, que le corbeau exagère, que le corbeau ne sait pas quoi dire et que du coup, eh bien, il brode un peu. Simplement, c'est confirmé par le 6 d'épée derrière. Et cette carte ici nous parle vraiment d'un déménagement, nous parle d'une prise de recul, d'un voyage... Donc, il se pourrait que Monique ait accouché et que cet enfant n'ait pas vécu avec eux. Avec ces cartes-là, on peut déjà nous donner cette indication. Je ne sais pas, pour les personnes qui suivent vraiment l'enquête, si ça peut vous paraître possible ou non. Mais en tout cas, il serait possible qu'elle ait été amenée à accoucher ailleurs ou en tout cas à se débarrasser d'un enfant. Peut-être que l'enfant était mort-né et qu'elle n'en a pas parlé, je ne sais pas. Mais il y a eu quelque chose dont elle s'est débarrassée. Ah oui, ça marque très fort. Pour moi, il y a vraiment quelque chose dont elle s'est débarrassée. J'irais même quelqu'un. D'ailleurs, on a le pape ici qui retournait. On nous parle vraiment de fanatisme et de fausses croyances. On nous dit qu'elle a eu un grand manque, en fait, de spiritualité, de foi. Voilà, elle a suivi des très mauvais conseils. C'est quelqu'un qui était assez anticonformiste à l'époque et qui s'est fait influencer, Monique. Pour moi, autour de cette paternité, il y a eu quelque chose qu'elle n'a pas vraiment compris. Elle devait être très jeune, je suppose. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a abusé de cette situation. On nous parle vraiment de quelqu'un qui était dans le dogme. Le pape, hein, vous voyez. Plutôt quelqu'un qui l'a très mal conseillé. Alors, la représentation du pape pourrait nous faire penser également à son père. Est-ce qu'il est possible que cette Monique ait été victime de son propre père comme l'une de ses sœurs l'a été ? Rien ne me prouve l'inverse pour l'instant, j'ai envie de vous dire, même au contraire, puisqu'on me parle vraiment d'un homme qui a profité d'une situation. Et puis, nous avons la roue de la fortune qui, ici, nous indique une évolution rapide et qui a eu une notion de chance et de providence. Et là, je pense tout de suite, et là, c'est une analyse, c'est pas dans les cartes, à la rencontre avec son époux, Albert, qui va l'accepter enceinte, ce qui était... à l'époque plutôt gênant, et qui, semble-t-il, n'aurait posé aucune question sur le géniteur de l'enfant que portait sa femme. Ce qui me fait énormément poser question, puisque je veux bien qu'il soit très tolérant, qu'il accepte une femme enceinte d'un autre homme, mais je pense qu'il savait très bien de qui elle était enceinte. Et s'ils n'en ont pas parlé,
Eh bien, je crains que ce ne soit pour couvrir effectivement ce que nous pouvons apprendre ici, peut-être un viol ou une relation en tout cas incestueuse. Ouais, je suis contrariée. Je sens comme si on me regardait en me disant que j'ai pas à dire tout ça. Donc je ferai Albert, je pense, un autre jour. Je vais faire Monique aujourd'hui et Albert, je le ferai sur un autre tirage. Parce qu'ils n'ont pas du tout la même énergie et que je pense avoir moins de difficultés avec lui. Là, je suis dans la lutte. Hein. C'est quelqu'un qui a du tempérament, qui ne veut pas lâcher, même actuellement. C'est comme si on me regardait avec sévérité. Alors bon, ici, j'ai la reine de coupe qui est arrivée renversée. Et cette reine de coupe renversée, eh bien, nous parle de dépression. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une sensation d'une femme qui a lutté pour masquer une profonde dépression. Et on nous parle aussi de quelqu'un qui était complètement écrasé par toutes ses émotions. Elle avait une certaine instabilité, du coup, parce que c'est quelqu'un qui a appris beaucoup sur elle. On me dit vraiment que c'est quelqu'un qui savait manipuler, certes, mais quelqu'un qui a énormément fait preuve d'abnégation par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc le pendant de cette force-là, eh bien, c'est qu'elle a su se montrer vraiment très dure en affaires et certainement très désagréable avec les hommes notamment. Hein. Il y a vraiment quelque chose de la colère. Hein. Et d'ailleurs, on voit tout de suite le roi d'épée qui surgit à côté de cette reine. Et on voit qu'ils n'appartiennent pas à la même famille, sans mauvais jeu de mots les concernant. Mais on dit ici que c'était plutôt un homme qui faisait preuve d'un pouvoir exacerbé, quelqu'un qui pouvait être dans l'abus de confiance. Quelqu'un qui manipulait aussi. Donc on est face à deux personnes qui sont dans la manipulation. Pour moi, on me parle vraiment, hein, tout comme ici, on parlait de la rencontre avec Albert, et bien du couple qu'elle a pu former avec Albert. Et c'est des personnes qui, pour moi, se sont mis ensemble, semble-t-il, ici, par convenance et par facilité, et aussi pour épauler une situation qui n'avait pas lieu d'être, cette grossesse hors mariage, mais qui avaient tous les deux quelque chose à gagner dans cette alliance. Ce n'est pas que l'un des partenaires. Chacun a manipulé l'autre à sa façon. D'ailleurs, on peut voir que Monique, ici, est rattachée à la Lune. Quant à Albert, il est rattaché à la justice renversée. C'est assez intéressant puisque la Lune ici nous parle toujours de mystère, nous parle de choses qui sont cachées et on nous parle vraiment d'une énergie féminine avec la Lune. Hein. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant ça, mais n'empêche que cette carte renversée nous parle d'une libération des peurs et on nous parle de désillusion ici. Ici, il y a eu vraiment une situation qui a été à clarifier pour elle. Hein. Ça a été très important de clarifier quelque chose avec son mari. Et celui-ci l'a très mal vécu, puisqu'on nous parle de la justice qui est renversée, et on nous dit que c'est quelqu'un qui, suite à cette conversation, eh bien, a fait preuve de déséquilibre. Comme cette personne, donc le roi d'épée retourné, est une personne difficile, dure, eh bien ici, avec cette carte de la justice qui lui est alliée, on apprend également que c'est quelqu'un qui va être amené à commettre des actes illégaux. Donc Albert a commis quelque chose d'illégal et d'irresponsable. On parle de corruption chez lui. On me dit que c'est quelqu'un qui a fait preuve d'un vrai déséquilibre et mental, et émotionnel et familial. Il y a vraiment eu quelque chose chez lui qui n'allait plus du tout. Donc là, on a le roi de deniers avec le cavalier de coupe. Ici, le chariot avec le 10 de bâton. Ok, donc pour moi, toujours sur Monique, hein, ici, puisqu'on s'intéresse toujours à cette personne, hein, le roi de deniers, ici, nous symbolise plutôt une réussite. Hein. On nous dit que c'est quelqu'un qui est plutôt prospère, qui a le sens des affaires, qui est plutôt généreux, donc qui se positionne à côté d'Albert. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui a été analysé par plusieurs personnes sur YouTube, et c'est une possible relation adultérine. De Monique. Et je présume que ici, c'est vraiment ce dont on nous parle, puisque pour moi, elle est ici, Monique. À côté d'elle, on a son époux, mais ici, il y a quelqu'un d'autre de très important pour elle. Quelqu'un qui a été toute sa vie pas loin d'elle. C'est un homme qui a plus de...
Klaas Kelber, c'est quelqu'un qui est symbolisé par une certaine réussite. Alors on voit des animaux derrière lui, on peut nous parler d'un agriculteur qui aurait vraiment bien réussi, on peut nous parler de quelqu'un qui gère une exploitation, on peut vraiment nous montrer un milieu agricole quand même. Malgré tout, on est vraiment sur quelqu'un qui a le sens des affaires et qui est généreux, qui est à peu près tout l'opposé d'Albert. On voit avec le cavalier de coupe qui suit ce personnage, hein. Donc le cavalier de coupe, une fois de plus, qui est retourné, eh bien on dit qu'il y a eu un manque d'engagement. Ce monsieur n'a pas su en fait aller au bout de ce qu'il a proposé à Monique, semble-t-il. C'est quelqu'un qui a été un peu trop, qui a parlé trop vite en fait, qui lui a proposé des choses, qui lui a fait espérer pendant très longtemps. Et pourtant, c'est une personne qui en réalité était assez insensible et plutôt égoïste. Donc c'est quelqu'un qui a maintenu Monique dans un espoir dont il savait qu'il ne pourrait pas aller au bout. Ouais, c'est un peu dommage pour elle, hein. C'est vrai que potentiellement, elle a pu passer des années à attendre et à espérer quelque chose qui n'a pas pu arriver. Alors le chariot ici, bah, vous savez que le chariot, c'est toujours une carte qui va nous parler de détermination, de triomphe. Eh bien ici, on nous parle d'un caractère qui serait plutôt toujours dans le contrôle, hein. On nous parle de quelqu'un qui aime avoir des victoires, avoir des conquêtes ici. On nous dit que c'est quelqu'un ici qui était plutôt cette tierce personne, hein, cet homme-là qui intervient, c'est plutôt quelqu'un qui était dans le contrôle, qui était amené à se déplacer d'ailleurs. Alors là aussi, on a une notion d'animaux, hein. Donc attention, je ne sais pas comment ni. Alors peut-être qu'il monte à cheval, peut-être que c'est quelqu'un qui vend des animaux, mais il y a un lien avec l'agriculture et les animaux fort ici. On dit que c'est quelqu'un aussi qui a été, ouais, qui a été toujours dans ses projets, dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui a évolué, lui. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le même destin du tout que la famille Villemain. Le 10 de bâton ici vient nous apprendre qu'il y a eu un épuisement physique et mental, qu'il y a eu énormément de responsabilités, que cette personne en fait s'est sentie vraiment impactée par la suite des événements. La personne ici dont Monique semble avoir été éprise est une personne qui a plutôt une conscience, quelqu'un qui n'était pas prêt à tout. Et en tout cas, je pense que ce ne sont pas du tout ni Monique ni cette personne qui, dans cet état d'esprit, ont pu intervenir dans le décès de Grégory. Pour moi, Monique a été au courant de corbeautage. C'est une personne, comme on l'a vu dans le jeu précédent, qui a été au courant de qui et de quoi pendant un moment. Alors, à juste titre, avec des choses fondées ou non, ça, je ne sais pas le dire, parce que je ne sais pas si c'est qu'elle avait des preuves ou si ses soupçons étaient les bons et l'ont amenée vers la bonne personne, quoi. Je vais essayer, avec le tarot des oppositions, de revenir encore une fois sur la responsabilité de Monique dans le décès de Grégory, essayer de voir si dans sa lignée à elle, eh bien, le tueur se cache. Est-ce que c'est dans la famille de Monique que la personne qui a enlevé la vie de Grégory pourrait être cachée? Je tire les cartes et puis on regardera après ensemble, bien entendu. Hop. Voilà. Et je vais en tirer encore deux autres. Il y en a beaucoup trop qui tombent. J'ai chaud, si vous saviez. Je ne sais pas du tout gérer encore certains contacts, mais quand les personnes sont vraiment là, soit j'ai très froid, soit j'ai très 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 chaud. Et là, je vous confirme que c'est le cas. Mais c'est pas une chaleur d'été, quoi. C'est très spécial comme sensation. Je pense que Monique est quelqu'un qui n'a pas du tout envie qu'on gratte ses secrets, hein. Je vous confirme, elle n'avait pas envie d'en parler de son vivant et je pense que ça l'agace énormément qu'on fasse ce genre de tirage. Vraiment, j'ai une sensation de déranger là. Là, j'ai la reine de coupe qui va nous faire office de coupe, justement, de ce jeu.
Alors, tout de suite avec la reine de coupe. Bon, alors, écoutez, Monique peut être symbolisée par la reine dans toute sa puissance, puisque c'est une personne qui, effectivement, était celle qui gouvernait la famille, le vrai chef de famille, en fait. C'était Monique, hein. Il ne faut pas oublier que malgré qu'elle ait pu être victime de coups de la part de son mari, eh bien, cette femme a su toujours mener le cap. Et ici, on nous parle de vraiment quelqu'un qui savait faire preuve de compassion, qui savait exactement, en fait, ce dont les gens avaient besoin autour d'elle. C'est une personne qui, derrière ses apparences un petit peu rudes, avait, semble-t-il, un grand cœur quand même, au niveau, en tout cas, de ses enfants et de son foyer. On nous dit que c'est quelqu'un qui a été toujours dans la recherche de la vérité. Elle a voulu, en fait, la vérité à travers Monique, ici, nous est présentée comme quelque chose qui a repoussé le chagrin. Donc, elle a pu s'arranger avec la vérité afin de ne pas faire de peine à son entourage. Voilà ce qu'on nous dit avec cette carte. Elle a pris sur elle, quitte à passer après son entourage. Alors, le 10 de coupe. Ce 10 de coupe ici renversé nous annonce qu'il y a eu une crise dans sa famille, une crise au niveau des valeurs morales. On dit qu'il y a eu une conversation qui a été menée à bâton rompu où il y a eu un sujet très important d'évoquer. Et on lui a conseillé d'écouter les conseils qui lui étaient donnés au cours de cette conversation. Pourtant, cette conversation n'a pas été simple et elle n'a créé que des mésentendus, des divisions. On me parle de discussions qui sont parties dans des querelles. On me dit que ici, eh bien, on a limité la casse. Monique a servi peut-être un peu de tempérance dans une certaine situation, mais autour d'elle, les choses n'étaient vraiment pas paisibles. On a la carte du jugement qui suit tout de suite cette carte. Et la carte du jugement, alors j'espère que vous n'entendez pas trop l'enfant horrible qui me sert de voisin. Je suis désolée, mais plus les mois passent et moins j'ai de patience envers lui. C'est une catastrophe. Du coup, le jugement. Donc ici, ces personnes qui sont autour de Monique étaient des personnes qui avaient une grosse influence sur elle. On nous dit qu'elle n'a pas su faire preuve à un certain moment d'assez de confidentialité. Elle a beaucoup parlé, Monique. C'est quelqu'un qui a même trop parlé, on nous dit. D'ailleurs, pour elle, c'était normal de parler car elle s'exprimait avec des gens qui faisaient partie de son univers. Elle ne parlait pas avec des inconnus et pour elle, donc, il n'y avait pas de mal à communiquer. Et pourtant, elle ne savait absolument pas que les personnes qui étaient autour d'elle pourraient se servir de toutes ces explications contre elle et porter tout ce qu'elle espérait cacher à la lumière. Donc, je suppose que là, on nous dit vraiment que Monique est la source de beaucoup d'informations du corbeau, puisqu'elle ne s'est pas rendue compte, et là c'est très clair en tout cas dans les significations de cette carte, qu'elle faisait confiance à la mauvaise personne. Donc l'un des corbeaux probablement était très très bien connu de Monique. On nous dit ici qu'il y a eu un appel à l'élévation, à la renaissance à un moment donné. On lui a conseillé en fait de faire les bons choix et de les faire en pleine conscience. Malheureusement, eh bien, je pense qu'elle n'a pas accepté cela. On nous dit qu'il y a eu une énergie vraiment parallèle à elle qui l'a invitée à se renouveler. On lui dit qu'elle était prête en fait à commencer un travail pour se reconstruire, qu'il fallait qu'elle demande vraiment de l'aide, qu'elle exprime en fait ce qui lui manquait dans sa vie et qu'elle aurait pu, si elle avait été honnête, obtenir beaucoup plus. Mais elle a fait le choix de cacher des choses et cela nous est confirmé dans cette carte qui apparaît par la suite. Je la montre, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc là, on voit le malheur sur une maison. On voit un foyer démoli. On va regarder sans plus attendre avec beaucoup plus de précision cette carte parce qu'ici, elle vaut vraiment le coup d'être étudiée profondément. Surtout dans l'affaire que nous abordons. Cette carte représente les possibilités en fait de la fin, de la joie et de la chance. On nous dit qu'il y a eu un changement totalement inattendu. Et pour moi, cette carte représente la maison
des Villemains. Alors, pas du tout Monique, hein, ni Albert. Pour moi, ici, on me parle de la maison de Grégory et de ses parents. Ici, vraiment, on nous montre une famille qui est éprouvée, très lourdement éprouvée. On nous dit ici que les choses ont eu une mauvaise tournure, voilà, que ça a pris une mauvaise tournure, que tout allait bien et que tout se passait bien, et que la seule façon bien pour espérer remonter la pente est de se montrer plutôt dans l'abnégation et tenace par rapport à cette épreuve qui lui aura fait perdre tout sens de sécurité. Ils ont perdu totalement le sourire ici. On me dit vraiment que ça a été très compliqué d'accepter en fait, hein. On me parle vraiment de reconstruire avec une plus grande force, mais ça a été très difficile, très très difficile pour eux. Alors on a le 7 de Pentacle qui arrive aussi derrière, qui nous indique de nouveau quand même une difficulté. La carte est renversée, bien entendu, puisque je vous parle de difficulté, vous devez commencer à vous en douter. Et ici, on dit, il semblerait qu'il y ait eu un moment où la chance ait souri à Monique quand même. Il semble que dans sa vie, elle ait eu plusieurs opportunités de s'en sortir. Mais il a manqué quelque chose en plus de la chance. Et parfois, on nous dit qu'il faut savoir se contenter des choses que l'on a dans la vie. Elle n'a pas su faire ça. Et de par cet appétit de la vie, elle s'est mise dans des histoires très compliquées. On nous dit qu'il aurait fallu qu'elle se ressaisisse et qu'il aurait fallu qu'elle accorde plus de temps et d'énergie à ce qui était important pour elle. Et que malheureusement, elle a laissé passer une certaine part d'insouciance dans sa vie. Elle a fait des choix qui l'ont conduit à une certaine tristesse et un grand isolement. Alors, nous avons ici cette femme qui est représentée, suivie d'un chevalier ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut pouvoir nous représenter avec ce chevalier? Eh bien, ici, c'est un peu compliqué de rester très positif. Je ne vous le cache pas, puisque avec cette carte qui arrive renversée de nouveau et qui nous parle de l'épée, hein, eh bien nous apprenons tout simplement qu'il n'y a pas eu assez d'intelligence et de maturité, qu'elle a pris des décisions qu'elle n'aurait pas dû prendre lorsqu'elle était plus jeune, qu'elle a été très impulsive et qu'elle a fait preuve d'une grande confiance envers quelqu'un ou plusieurs personnes, qu'elle a été vraiment très naïve et que cela en fait a donné des résultats catastrophiques dans sa vie. On nous dit ici qu'il y a eu quelque chose à payer parce qu'elle a péché par l'excès, donc on lui a fait payer cet excès. On nous dit qu'elle était encouragée à continuer à faire des efforts sur son attitude, à plus discuter, que les gens ont essayé en fait de la faire réagir autour d'elle et qu'elle a refusé tout ça. On nous dit qu'il y avait quelque chose d'un manque de sérieux en elle, hein, et que cela lui a créé beaucoup d'incompréhension et d'inamitié. On me dit que c'est quelqu'un qui était vraiment très... Là, on parle vraiment d'elle, hein. Pour le coup, c'est pas un homme qui est représenté, c'est son tempérament ici. Et son tempérament, c'est vraiment quelqu'un qui manque de recul, qui a pu parfois faire preuve dans sa jeunesse de légèreté. On va dire ça comme ça. Et derrière ce roi, on a tout de suite la reine qui arrive. Et c'est ici du côté négatif également. Et on nous dit qu'il y a eu vraiment un problème en particulier qui s'est produit à cause d'un problème émotionnel, d'un choix de cœur qui était trop dur à faire. On dit ici que Monique a eu vraiment une balance émotionnelle très importante et qu'elle en a perdu en fait le goût à sourire. On nous dit ici qu'elle aurait pu essayer de vivre une passion, mais qu'elle a préféré choisir les rapports rationnels. Elle a fait preuve de froideur
et de... Elle s'est montrée calculatrice et manipulatrice en fait. Elle savait qu'autour d'elle, elle était mal vue et qu'elle avait beaucoup d'ennemis qui étaient en colère contre elle. Elle suscitait la haine, notamment d'une certaine femme. On nous dit que du coup, elle a fait ce choix afin de pouvoir continuer à grandir, à mûrir et à être respectable. Donc là, je pense vraiment qu'on nous parle de sa relation à Albert, qui semble-t-il, oui, n'était pas choisie et en plus, n'était pas forcément, la voix du cœur du tout. Et on termine avec le 6 de coupe. Moi, je pourrais passer tout un temps à faire ces tirages parce que c'est vrai que cette affaire est passionnante. Hein. Je suis désolée pour tous ceux que ça n'intéresse pas, mais bon, moi, je reçois énormément de questions sur Insta et j'ai à cœur de faire des choses qui intéressent beaucoup de monde. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez absolument que je les traite, ça sera avec très grand plaisir et même un grand honneur de recevoir vos propositions. Allez, on termine donc avec ce 6 de coupe qui représente une relation père-fils à la campagne autour de la pêche et qui est pour une fois une carte qui est présente dans le bon sens. Et on nous dit ici que eh bien, le futur autour de la famille de Monique eh bien, aujourd'hui est paisible. On nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est produit et que les émotions ont laissé place à un certain calme et un certain recul. Donc là, on ne nous parle plus d'elle, on nous montre vraiment sa famille en règle générale. On nous dit qu'elle a préféré laisser passer les choses et que, avec confiance, elle s'est confiée à l'avenir. Oui, on nous dit qu'ici, elle a vraiment eu envie d'être accompagnée par ses proches avant de partir. Et ici également, on nous dit qu'il y a eu des choses qui se sont passées et qui se sont révélées fondamentales pour elle avant son départ. Donc il semble ici qu'il y ait quelque chose qui se soit réglé avant que Monique ne décède entre le père d'un enfant et son enfant. Et il y a quelque chose qui l'a apaisée par rapport à une paternité autour d'elle. Je ne sais pas si on parle de Jackie ou éventuellement d'une autre personne. Voilà, j'espère que ce tirage aura intéressé toutes les personnes qui m'avaient suggéré d'aborder le sujet de Monique. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette très longue vidéo. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.